Et re-yo, du coup, on va faire le petit débrief de cette game. Du coup, ouais, re-bien joué. Il y a juste un truc. À votre avis, c'est quoi où il faut progresser? Ah non, Le pardon. ferme. Non, c'est pas le farm. Les... Je sais pas. En L'école? fait, Je sais pas. ah, c'est presque ça. Là, en gros, toutes vos erreurs, c'est que des erreurs sur la communication. Genre, votre communication est dégueulasse. On se croirait dans un salon de thé entre filles. En mode. Non mais vraiment, c'est. Genre, je vous promets, vous. Enfin Mais tu voilà. dis ça parce qu'on a des voix de filles, mais on aurait des voix graves de mecs. Je dirais pas Ouais, ça bah. peut-être, non? Je dirais dans un bar du PMU, tu vois, en mode. Oui. Chacun Oh ses mon Dieu. clichés, quoi. Tu vois. Mais j'ai pas cette impression, c'est marrant alors que... Non Ouais. mais vraiment, hein. Ok. Là, on va revoir vite fait. L'Orly. Bon, ça, tu l'as vu par toi-même, Sina. Quand il ward ton bleu et tu joues contre une Ève, évite de claquer ton smite et dire en mode viens m'invade et tout. Bon, ça, je pense que tu le sais par toi-même. Ouais, je le sais, je me suis franchement je me suis mordu les doigts sur cette erreur. J'aurais juste dû, je sais pas, par contre, j'aurais dû commencer direct à mon bleu et smiter le Non, bleu ou faire mon en fait, le mieux quand c'est comme ça, quand tu vois qu'il t'invade, c'est tu fais ton gromp avec l'aide de la botlane et tu gardes ton Ouais. smite pour le bleu, tu vois. Comme ça, t'es level 2 pour OK. ton bleu et voilà. Et c'est surtout. OK. Putain, mais pourquoi t'as rename Run, il se trappe. Comment tu veux que je t'appelle, moi? Impressive Appelle-la Jax. c'est Jax. Jax. Continue Ouais. sur Jax. Par contre, essaye de. Ça, il faut vraiment que tu couvres Fiddle. Hein, Ok. Ouais, Mybad, en fait, j'ai commencé à y aller. Ouais, parce que là, tu vois, tu vas En sur fait, la lane. j'ai cru entendre, non, je sais pas, on va pas, je sais pas quoi. Et en fait, enfin, je sais pas pourquoi je suis restée sur la lane et j'ai voulu retourner, mais c'était trop tard. Non, c'est parce Donc qu'en fait, là, c'était Mybad. on a demandé à Fiddle si elle voulait qu'on reste. Puis sur le coup, elle a dit non. Puis après, elle a dit oui. Donc, Ouais. bah, moi, j'allais y aller. Moi, j'allais farm, c'est sûr et certain. Mais alors, elle savait pas quoi faire, en fait, après, Bah, en fait, le truc, Laure. c'est que moi, je m'attendais pas. Moi, j'ai dit non parce que je m'attendais pas à ce que Bard arrive. Et une fois qu'il était là, ben, voilà. Non, mais là, c'était vraiment Mybad sur ce coup. J'aurais vraiment dû revenir, Non surtout mais pour voilà, elle, mais en fait. c'est juste en fait quand tu vois pas, enfin quand tu sens que c'est ward etc, vaut mieux vraiment protéger ton fiddle. Enfin tu vois, c'est à toi de te mettre mal, parce qu'encore tu peux récupérer sur la bot lane et tu peux jouer safe. Parce que là, s'ils arrivent à shutdown le fiddle, la game elle est finie quoi. Donc là encore, la Ève elle a pas invade au raid, mais en vrai voilà. Juste fais gaffe Syna sur tes timings. Genre tu vois, pour ton deuxième bleu par exemple, genre Je t'étais suis pas en vu. retard. Enfin tu vois, quand tu vois l'icône du deuxième bleu, toi tu back. Tu vois, donc la Ève elle aurait été un minimum forte, elle aurait pu. Enfin. Là, heureusement que vous jouez contre des gens un peu moins bons, mais la Ève, en vrai, elle peut te défoncer. Mais vraiment. Genre, clairement, tu joues contre moi avec Ève, tu touches pas un buff et tu pleures dans ta lane. Qu'est-ce que je voulais dire? À 6 minutes, j'avais noté un truc, mais je me souviens plus. Tant qui est morte? Non, je sais plus. 9 minutes, Ayu TP, pas call, enchaînement. Ah, qu'est-ce que t'as fait, Ayu? Aucune idée. Oui, ah oui, non, mais bah, de toute façon, c'est que ça en fait. Toute votre early, vous avez fait des fails sur les calls. Ayu, à chaque fois que tu TP, préviens que tu vas TP et dis qui tu vas focus, tu vois. Histoire que ton équipe puisse savoir. À chaque fois que t'as TP, t'étais en mode ninja, tu vois. T'es en mode, tu préviens personne, tu fais ton truc dans ton coin. Le but, c'est quand tu TP, bah, de prévenir tes mates, clairement. Et ça, c'est pareil. Syna, c'est à toi de call les TP, tu vois. Oui, mais là, oui. Oui, Parce qu'il y a ok. là, il y a, je sais plus, à 18 minutes, où vous divez, et tu vois, il y a le Maokai qui TP. Bon, Oui. c'est la faute d'Ayu hein, de pas TP, mais c'est aussi de ta faute de pas lui dire de TP, tu vois. D'accord. Ouais, en fait, moi, le truc, c'est que comme... Enfin, là, d'accord. Maintenant, je sais qu'il faut que je le dise, mais comme Jayce avait TP, pour moi, enfin, je pensais qu'elle avait vu qu'il allait TP et qu'elle allait TP instant, quoi. Mais ok, je le dirai la prochaine fois. Ouais. Du coup, parce que là, en fait, si je me souviens bien, Ayu, genre, tu préviens pas que tu TP, tu vois. Et c'est un peu dommage, parce que vous auriez pu faire mieux. Tu vois, c'est pareil, quand tu ulti, bah, c'est un peu dommage. Mais je sais plus si c'est ça, mais ouais. Après, à 10 minutes, qu'est-ce que vous avez fait à 10 minutes? Ah oui, Pandy, encore une fois. Je sais pas si tu te souviens, au Drake. Vous faites le Drake, ça, Ouais. c'est nickel. T'es là, tu prends les langages sur un Jax, sur un Jayce. C'est parfait, tu Oui. le défonces. Mais Ouais. t'as fait ton move dans ton coin. En Ouais. mode. Enfin, tu vois, c'est dommage, mais tu dis, bon, bah là, je suis en train de 1v1 le Jayce, go m'aider après votre dragon.
Parce que là, clairement, tu tues le Jace en 1 contre 1, et il y a la F qui te ramasse. Ouais. Et tu vois, il y a Fiddle qui peut venir t'aider, il y a Jinx qui peut venir t'aider, mais juste, elles ont pas l'info. Elles sont focus sur le Drake. Donc tu t'imagines que leur vision, elles sont en mode comme ça, tu vois, en mode focus sur le Drake. Elles imaginent même pas que toi t'es en train de fight. Mais si elle m'avait vu parce que Sina avait dit c'est bien Pandy. Oui, mais. Pandy s'occupe du Jace, enfin, je sais pas quoi. Le truc c'est que c'est à toi de dire bah j'y vais, je vais le tuer, tu vois. Il y a une différence entre s'occuper pour zoner quelqu'un et le défoncer en 1v5, et, tu vois. Parce que là, clairement, tu vois, tu le tues, mais derrière tu meurs. Ouais. Alors que juste, imagine un Jinx ou un Alistar, t'aurais pu prendre un double kill, tu vois. Ouais. Et c'est un peu dommage. Et ça, c'est juste parce que bah tu parles pas, tu vois. Donc essaye de prévenir un maximum, quoi. Ouais, ça roule. 18 minutes. Il y a eu, vous avez eu 5 minutes de grâce où c'était juste parfait. Genre de 18 minutes au cas où le Nash. Hallelujah. Non mais c'est ça, hein. Vous êtes présent sur le Drake avant. Derrière, vous faites des rotations, vous prenez 2 tours. C'était juste parfait. Donc ça, bah voilà. Quand vous avez Fiddle avec Zhonya, bah vous rushez au mid et vous divez. Donc ça, c'était nickel. Mais attends, je regarde juste le move là sur le stream au Drake où je meurs. Mais ouais. Ayu, elle passe à côté de moi et genre elle s'en va, tu vois. Parce que tu la coules pas, enfin. Tu vois. Mais ah ouais. Mais je te promets, j'ai regardé le truc, c'est. T'es là en mode, tu fais un move, tu ne parles pas du tout. Mais je suis à côté d'elle, pour moi, elle voit, enfin. Oui, mais pour toi, mais enfin, dans ce cas-là, ok, imagine, non, mais ok, ça marche. Mais c'est un réflexe que j'ai pas forcément avec la solo queue, mais ok. Ouais, mais c'est vraiment. Enfin, tu vois, faut annoncer tous tes ultis, tous tes trucs, tu vois. Ok, ça marche. T'es là en mode, bon, bah, je suis en train d'investir le Jace, go m'aider, tu vois. Ou go. Parce qu'en plus, bon, après, tu vois, c'est Evelyn, elle est fufu, c'est pas forcément facile, mais même le 1v1, il était chaud. Et t'as juste à dire, bon, bah, je suis 1v1, go venir après le Drake, tu vois. Ok. Donc ouais, à 18 minutes, c'était juste parfait. Bon, vous avez, attendez, on va mettre en mode fast. Mais vous avez pris des kills, après vous avez rush le mid, si je dis pas de conneries. Ah non, vous tuez le... Oui, vous... là tu fais 2 gangs de suite, botlane, elle meurt pas. Enfin voilà, et là il y a un TP, c'est juste nickel, quoi. Toute cette partie, c'est nickel, en mode on prend des kills, derrière il y a un TP IU. Et tu étais vraiment bon, le TP IU. Et derrière, on push au bot, c'est ça ou... Non, je sais plus. Mais genre, c'était parfait. Il y a juste ce call Nash. Le call Nash, il est bon. Hein. En soi, il est pas mauvais, le ouais, call Nash. Oui, mais j'ai complètement... Franchement, j'ai mon brain... En fait, je savais pas s'il fallait que je continue. En sachant que j'avais peur que mon équipe se fasse défoncer derrière. Non, je savais pas si je finis le Drake ou si, le Baron ou si j'ai l'ulti, en fait. Déjà, là, en mode décision, vous avez deux choix. Vu que vous avez défoncé leur vision... Vous n'êtes pas obligé de call le Nash, vu que tu as l'ulti de Fiddle, tu as l'ulti de Malphite. Des fois, c'est mieux de vous mettre juste dans l'antre. Et voilà. Du style, là, vous commencez le Nash, vous n'êtes même pas obligé de commencer le Nash. Vous pouvez juste vous mettre à 5, vu qu'il y a une pink ici. Je ne sais pas si vous voyez le stream, mais vous mettez ici, en mode attendre. Il y en a forcément un qui a fait échec, et si vous le tuez, bah, après, c'est du 4 contre 5. Quoi. Donc là, bon, de commencer le Nash, c'est un peu plus ballsy, pourquoi pas. Derrière, c'est à... Enfin, tu vois, c'est à l'histoire de zone au début. Là, par contre, merde. Là, par contre, il est à 2k HP. Et il y a Eve, là, Eve est morte. Donc, tu vois, il n'y a aucun danger niveau smite. Après, toi, t'avais pas ton smite, mais eux non plus, en fait. Donc... Ouais, mais après, ils ont Jace. Oui, mais le Jace, le Alistar, son boulot, c'est de le zoner, tu vois. Ok, donc on finit le baron et on s'occupe pas de ce là, qui se passe derrière. Clairement, le boulot d'Alistar, c'est de le zoner. Là, le Nash est à 2k. Grosso modo, chacun fait 2 auto-attaques, vous l'avez, quoi. Okay. Et au lieu de ça, bah, toi tu ulti en mode un peu panique, derrière tu laisses Pandy du coup qui meurt par le Nash, et tu laisses Méchant je crois qui flash out, en mode... Oh non, Méchant qui meurt. Mais tu vois, genre là le Nash il est à 1k2. Mais non, Méchant elle meurt, je fais moi-même pas Nashor. Méchant elle meurt, tu vois. Et là, Pandy elle meurt pas. Pandy elle a failli mourir, parce qu'il y a la vachette qui a tanké. Mais grosso modo dans ce genre de situation, c'est juste à celle qui fait le moins de dégâts, donc bah, la vachette, d'aller les zoner, tu vois. La vachette. Tu vois, tu dis go à la vachette elle fonce, limite elle meurt, on s'en bat les couilles, mais au moins vous avez le Nash, tu vois. Et derrière, vous cherchez à fight. Mais clairement, bah là. Bah voilà, là c'est bon. C'est un peu. Parce que le call en soi, il était pas mauvais. Mais c'est juste la réalisation où. Enfin, genre, c'est n'importe quoi, tu vois. Genre, vous laissez le Nash à 1k HP et vous dites ok, on le veut pas en fait. Enfin. Et sinon, 25 minutes, encore la communication, bah, c'est sur le move d'Ayu.
Genre, vous divez, c'est nickel, hein, ce que vous faites, c'est nickel. On va prendre la T1, la T2 bot, c'est parfait. Mais vous divez, en fait, c'est ta responsabilité de call le TP. Tu vois? En mode. Parce que Tu me parles à moi? Ouais. Ayu, elle n'a pas la vision sur le Maokai. Le... Donc, du coup, elle sait pas forcément s'il est là ou pas. Bon, après, c'est à Ayu aussi, c'est à toi de regarder ce qui se passe botlane. Mais tu vois, c'est Non, mais un. j'ai vu le TP, c'est moi qui aurais dû TP, mais je m'étais dit qu'elles iraient pas si loin. En fait, j'ai regardé, j'ai vu le TP, puis je suis retourné sur ma minimap et j'aurais pas dû. Mais là, ouais, mais tu vois, c'est un peu une erreur des deux. C'est un, la communication, parce que c'est à toi de lead, et voilà. Là, derrière, le dive, il est bon. Mais là, en gros, dès que tu vois la TP du Maokai, il faut que tu TP à Yu, et il faut que bon, Sina le call. Après, c'est vrai que là, elle est en teamfight, c'est. Mais voilà. Mais c'est à toi, Sina, de le call avant même. C'est d'être en mode, si TP, tu TP, tu vois. Ou même de demander si Yu a son TP, tu vois. Parce que là, du coup, c'est dommage, voilà. Mais sinon, non, vous avez fait une bonne game. Enfin, par rapport à la première game, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a juste, pensez bien à beaucoup plus parler et tout ça. Bon, du coup, c'était le débrief. Voilà, j'espère que ça vous plaît sur le live. Bon, après, c'est pareil, hein. Elles sont au courant que le but, c'est de voir que les points négatifs. Et ouais, au final, méchant, bon, t'as bien clic droit, c'est bien. Ouais, c'est trop fort, c'est trop compliqué de jouer à DC. C'est ça. T'inquiète pas, il me faisait des remarques comme ça si avant. Non, mais t'as C'est bien clic droit. ça, Hein. c'est que le clic droit. Bah, c'est un peu ça. Elle était derrière, elle a clic droit, et mais c'est bien, enfin, en tout cas, tu l'as fait. Enfin, au final, t'étais à. Je sais pas combien t'as fini? 13. Je sais plus, 13, quelque chose comme 12-1. ça. 12-1. 14-1. 14-1. Bon, c'était nice. En tout cas, j'espère que ça vous a plu sur YouTube et en live. Bonjour. Du coup, on va faire une petite question-réponse vite fait, et c'est Chroma qui va récupérer les gens. Donc, des bisous sur le live. Non, pas sur le live. Des bisous sur YouTube. N'hésitez pas, hein, ceux qui sont sur le live. Bah, si vous avez aimé et si vous ratez un épisode, bah, il y aura tous les épisodes sur YouTube. Et voilà, des bisous, ciao, bye et à une prochaine.